Bonjour la famille, c'est toujours Dilman. La vidéo ici vous fera plaisir. Je fais la vidéo ici pour motiver la jeunesse qui a besoin de venir vivre ici au Canada. À ceux qui me connaissent, c'est ça mon objectif. Un instant s'il vous plaît. Chers amis, j'ai une question à vous poser. As-tu déjà vécu en Afrique pendant une semaine? Soit as-tu déjà passé une semaine de galère en Afrique? Si oui,
La vidéo est signée pour vous. Maïcha ya Canada, Maïcha ya Ulaya. Je suis ici en train de me promener. Il fait matin, c'est 8h30. Je sais qu'il y aura beaucoup de bruit à cause des voitures, des camions qui passent à côté de moi. Veuillez m'excuser pour le bruit. Mais l'essentiel est que le message passe. C'est ça l'essentiel. Mes chers amis, d'abord, la question que j'ai posée, je pense que la réponse sera que tout le monde a déjà galéré, tout le monde a besoin du travail, tout le monde a besoin de ce développement, de se développer mentalement, physiquement, spirituellement, financièrement et toutes ces choses-là. Chez nous en Afrique, souvent, il n'y a pas de travail. Nous avons tout, mais il n'y a pas de travail. Mais à vous qui aspirez venir ici au Canada, il y a beaucoup de travail. Le taux de chômage ici au Canada, c'est à peu près 7%, ce qui est vraiment bien comparé à d'autres pays développés. La première chose que je vais vous dire, il faut avoir des objectifs. Il faut avoir des objectifs avant de quitter le pays. Il faut avoir des plans. Il faut avoir des projets. Puisque quitter votre pays et venir souffrir encore ici, ça ne sera pas une chose meilleure. Tout ce que je vais vous demander, avant de quitter le pays, le continent, ayez des projets, ayez des plans et des objectifs. Puisque la vie comme on la mène ici, si vous n'avez pas d'objectif, vous risquez de vous perdre. Puisque vous êtes exposé à beaucoup de choses. N'est-ce pas que beaucoup d'entre vous espèrent venir ici juste pour jouer avec des femmes? N'est-ce pas qu'il y a beaucoup de gens entre vous qui espèrent venir ici juste pour vivre une vie de blanc? Avec des objectifs comme ça, des objectifs pareils ne vous amèneront à rien. Vous risquez de souffrir, vous allez risquer de vous retrouver encore pauvre parce que vous n'avez pas été capable à maîtriser le système. La première chose, avoir d'abord des objectifs. Après avoir les objectifs, maintenant il faut venir travailler. Bonjour la famille, c'est Jean-Gilmas. Je suis en train de me promener quelque part ici. Mais tout en vous faisant une vidéo de motivation, comme vous me connaissez, j'ai toujours fait des vidéos pour motiver la jeunesse africaine. La question sera celle-ci. La question... Bonjour la famille, c'est Jean-Gilmas dans les analyses objectives. As-tu déjà galéré un jour en Afrique? Si oui, la vidéo ici est pour vous. C'est une vidéo de motivation, surtout à des personnes qui ont un projet de quitter leur zone de confort et explorer le monde. Si tu as déjà galéré dans la vie, si tu as déjà passé des journées sans manger, tu passes des jours à jour sans trouver du travail, je te jure, tu es dans un beau coin. La vidéo ici est pour toi. Avant de quitter dans votre pays, la première chose que je vais vous dire, avant de quitter l'Afrique et venir faire l'aventure ici en Occident, il faut avoir des objectifs. Ayez des objectifs, sinon vous allez vous faire du mal ici. Ayez des plans, ayez des projets dans vos têtes, puisque si vous n'avez pas de projets, si vous n'avez pas de plans, mes chers amis, vous risquez à vous buter à des différents
obstacles. Puisque sans avoir des objectifs, je fais l'introduction, hein, sans avoir des objectifs ici, vous allez tomber dans la drogue. Vous allez tomber dans une vie courte et joie, dans l'alcool, dans le vie de femmes, de la prostitution. Il y a des femmes qui viennent de l'Afrique, arrivant ici comme les messieurs n'ont pas de guide, de mentors ici. Ils tombent dans des dépressions, dans des frustrations, des vérités. Ayez des objectifs, ayez des visions pour vous maintenir ici, pour vous balader, pour vous établir ici en Occident. Il faut avoir des éléments malins, de trouver des plans. Maintenant, toi qui n'as jamais travaillé, tu as galéré en Afrique, en arrivant ici, ce n'est pas le moment de jouer, puisque en arrivant ici, nous vivons une vie communautaire. En Afrique, c'est la communauté. Tout ce que tu trouves, tu dois subvenir aux besoins de ceux qui sont restés à la maison. Alors, si tu viens ici attaquer, juste pour venir jouer, vivre comme les gens vivent sur les réseaux sociaux, tu vas gâter ta vie, tu vas régresser. La première chose que je dis avant de sortir, en arrivant ici, si tu galères, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a le travail qui t'attend ici. Le travail, mon cher ami, il y a le travail. Que ce soit à McDonald's, que je passe là-bas, il y a le travail de McDonald's. Ici à Barbe King, il y a toujours les embauches, les centres ici, partout si vous me voyez. Il y a toujours des astuces du travail. Donc, si tu as besoin du travail, mon cher ami, tu dois travailler. Le travail ne dépend pas, tu n'as pas besoin d'avoir un salaire, je ne sais pas qui, un salaire qui peut faire. Mais ça sert que tu aies du travail et que tu sois payé. C'est ça l'essentiel. La vie du couple est la vie des projets, des objectifs. Qu'est-ce que tes objectifs vont devenir? Tu es venu pour travailler, tu es venu pour étudier, ou tu es venu pour faire des business. À ce que tu viennes travailler ici, ce que je veux vous dire, en arrivant ici, tout le travail qu'on va vous donner, faites-le, parce que ça va jouer à votre expérience canadienne. Parce qu'on ne peut pas vous donner du travail ici si vous n'avez pas de l'expérience. Alors pour avoir de l'expérience canadienne, attaquer le niveau, vous êtes obligé à passer à des travaux là qui ne paient pas bien, que vous ayez de l'expérience. Après avoir acquis l'expérience, et vous allez aller à l'étape de trouver un travail qui est plus meilleur que le travail que vous aviez avant. C'est comme ça qu'on s'établit dans une société. On va de petit à petit, de l'escalier, de l'escalier et de l'escalier. Maintenant, quand vous venez ici, il faut être trop prudent. Trop prudent. Ce que je veux dire ici, maintenant, c'est que vous avez nos frères africains. Quand vous êtes encore en Afrique, il y a les gens qui vous draguent. Vous ne draguez pas. Ici, c'est les femmes qui draguent. Vous allez venir vous demander garçon la main. C'est vous qui allez chercher garçon. Maintenant, ça, ce n'est pas le sujet. Je vais parler du point de vue social ici.